Devant moi se trouve le colis d'expédition officiel pour notre dernière nouveauté MM24-06 Maison Morphin qui se décline en trois coloris vert émeraude, rouge agate ainsi que bleu lavande. Aujourd'hui, je vous montre tout ce que vous recevez quand vous passez commande sur le site maisonmorphin.com ou quand vous venez en showroom la récupérer. On est parti pour 10 minutes d'unboxing. Let's go! Sur cette somptueuse MM24-04, on attaque cet unboxing avec le carton d'expédition officiel Maison Morphin pour cette collection. Donc je me suis muni justement de la petite paire de ciseaux puisqu'on n'a pas scotché évidemment le colis comme on le fait habituellement. On accède avec cette première étape aux premiers accessoires Maison Morphin. On retrouve la lettre de remerciement qui est dans une enveloppe qui est frosted avec le logo de la marque. On a vraiment travaillé également le grammage donc, de l'enveloppe ainsi que le grammage de la lettre de remerciement qui se présente comme ceci. On remercie la confiance du client, on l'invite à nous laisser une évaluation sur Trustpilot où on est noté 4,9 étoiles sur 5 sur plus de 200 avis. Voilà, une petite lettre qui est très sympathique de prime abord. On a en goodies le porte-clés, c'est offert, c'est la maison qui l'offre pour penser à Maison Morphin au quotidien avec les clés de son chez-soi. Et ici, on retrouve ce que j'ai actuellement au poignet, la paire de gants, donc voilà, dans sa petite pochette qui est prévue justement pour pouvoir les accueillir. Et les gants ont pour rôle de pouvoir unboxer le colis de manière proprement. Voilà, j'ai une petite paire déjà ici pour vous montrer l'esthétique globale, mais de toute façon c'est la même chose que ce que j'ai actuellement au poignet. Ça permet de nettoyer sa montre au quotidien et de continuer d'unboxer sa montre proprement. Ici on a avec de la véritable feuille d'or, c'est pas de l'or véritable mais c'est une finition en impression qui fait qu'on a vraiment les reflets dorés et c'est pas une impression en dégradé pour donner l'illusion que c'est du doré. Avec notre petit slogan, vous êtes unique, nos montres le sont aussi. Nous vous remercions pour votre confiance, le site internet et nos réseaux sociaux avec Trustpilot où on est noté 4,9 étoiles sur 5. On ouvre ici à l'aide de la trappe puisqu'on a travaillé l'expérience pour pouvoir justement accéder à la montre comme ceci et on accède au papier cadeau officiel Maison Morphin et avec l'écrin. On va venir enlever les cales en mousse qu'on a fait sur mesure justement puisqu'il y a eu un gros travail aussi au niveau de l'expérience avec plusieurs fournisseurs, plusieurs usines pour arriver à faire un packaging qui voilà, fonctionne bien. Et on va venir récupérer la boîte ainsi que la surboîte, surtout la surboîte qui est enveloppée dans un papier cadeau et on va venir délicatement la poser sur la table. Donc on a essayé de travailler justement l'expérience. L'intégralité des clients qui passeront commande en ligne sur ce modèle-ci, donc la MM24-06, la MM24-07 et la MM24-05 auront cette surboîte avec la montre et le papier cadeau avec des citations qui reprennent justement voilà, des codes de l'horlogerie. On va parler d'horlogerie sur les citations, on va parler de l'artisanat français, de l'élégance, etc. On a essayé de faire quelque chose d'assez sympa et on a surtout fait un beau nœud Maison Morphin à l'aide d'un ruban qu'on a créé sur mesure. On accède maintenant à la boîte ainsi que la surboîte. Donc c'est une boîte qui est plutôt surdimensionnée puisqu'elle comprend des accessoires ainsi que la montre. Et on va venir du coup retirer de prime abord la petite protection avec le logo Maison Morphin de très bonne qualité qui est cartonnée. Et on va avoir accès pour l'instant voilà, aux deux parties de la surboîte. On retrouve sur le haut du packaging justement le petit logo Maison Morphin sur un tissu de protection. Et on va justement pouvoir retirer premièrement voilà, le colis. Et en fait, voilà, en retirant ici les protections tissu, on va avoir accès à l'écrin. L'écrin qui s'offre à vous comme ceci. C'est un piano black en bois laqué de très très bonne facture, antidérapant sur le dessous et qui est assez conséquent. Et on va faire maintenant un petit focus sur la partie du dessous qui est restée au fond de la surboîte qui se présente comme ceci et qui est justement amovible. On peut venir la retirer. On retrouve notre petit slogan et nos valeurs qu'on essaie de mettre en avant, l'innovation, l'expérience et les émotions. Et on retrouve un kit horloger très complet hein, pour le coup. On a le chasse-goupille, la fourche, on a le marteau. On a exactement ici le support
pour pouvoir justement retirer les maillons soi-même de sa 24-06 et pour toutes les autres montres que vous avez à la maison. On retrouve sur le côté droit la loupe d'horloger qui se présente comme ceci, une loupe en aluminium en x10 qui est une loupe de contrôle. Aujourd'hui les horlogers travaillent avec de la 2,5 et contrôlent la qualité, les poussières avec ce type de loupe en x10. Et à gauche on a le présentoir bijouterie en acrylique, très sympa. Et on a pensé justement pour pouvoir décoller et attraper tous les accessoires à mettre des petites tirettes. Donc en tirant dessus, voilà, on a le présentoir qui va venir se lever instantanément. Voilà, c'est des petites choses qui font que on a réfléchi en interne à l'expérience, à la praticité du packaging. Donc c'est plutôt sympa et on a justement la même texture que l'intérieur de l'écran. Une sorte un petit peu de... Bah c'est du bois et après dessus c'est velouté avec une sorte de tissu un peu alcantara. Donc on a de très belles finitions et voilà de quoi commencer l'horlogerie avec des beaux accessoires et tomber amoureux de ce domaine qui est juste passionnant. On arrive maintenant à l'étape cruciale, celle qui vous intéresse tous, la partie écran et montre. On va faire donc l'unboxing ensemble et la voici, la voilà. La somptueuse montre avec sa carte de garantie avant d'attaquer la présentation de la montre. On retrouve ici la carte de garantie officielle avec justement une petite tirette qu'on a prévue. On a vraiment tout remodélisé pour cette collection. On s'est vraiment mis à la place du consommateur et l'idée c'était vraiment de rendre accessible le packaging, de réfléchir à l'unboxing, aux étapes, etc. Et justement, chose qu'on n'avait pas à l'époque, donc déjà on avait pensé à l'époque si de mettre un ruban ici élastique pour que pendant le transport la montre ne bouge pas et que la carte de garantie ne vienne pas se balader dans l'écran. Mais chose qui était un peu compliquée, c'était d'attraper parfois la carte de garantie. On a solutionné ce problème avec une deuxième tirette ici et en tirant on peut venir récupérer la carte de garantie qu'on a épaissie. On est sur 0,5 mm contre 0,3 à l'époque. Voilà, on est vraiment sur des très bonnes finitions. Elle est frosted, elle reprend le numéro exact de la montre. Là, en l'occurrence, on est sur la 2/60. Elle reprend le numéro de la montre et surtout sa référence. On est sur le cadran rouge agate avec un QR code qui renvoie sur la page contact du site internet. Donc voilà, ça reste une très très belle montre, enfin une très très belle carte de garantie autant pour moi. On a soigné jusqu'au détail justement la carte de garantie avec du métal en l'épaississant pour avoir la meilleure qualité du marché aujourd'hui. Et on peut maintenant la placer à droite de la montre sans souci. On va passer maintenant à la présentation de cette somptueuse montre. On va attaquer avec la version rouge agate et je vous proposerai justement juste après de découvrir la version vert émeraude et bleu lavande. On est sur une montre en acier 316L avec un somptueux cadran texturé avec deux textures. On retrouve la finition Clou de Paris, très célèbre au centre de la montre. Sur le côté externe, on retrouve un brossage circulaire avec pour alléger le design justement des chiffres romains avec justement des index en Luminova pour alléger. L'idée c'était pas justement de mettre l'entièreté des chiffres en chiffres romains, ça allait être un petit peu trop chargé au niveau du cadran. On essaie de travailler justement aujourd'hui des montres assez épurées mais tout de même réfléchies et assez sophistiquées. C'est pour ça qu'on a alterné des chiffres romains pour pas trop charger le design qu'il était déjà, du fait qu'on est parti sur deux textures. On a un chanfrein poli qui justement délimite les deux textures, des belles aiguilles avec un indicateur de marche sur la trotteuse et on a du Luminova C3 qui est le plus haut de gamme aujourd'hui du marché. Donc c'est une montre qui est très luminescente, qui a un taux de luminescence à 100%, il n'y a pas plus premium sur le marché et une durée de vie qui est illimitée. C'est une montre qui durera du coup des générations du fait qu'elle a de très beaux matériaux, un mécanisme suisse, mais surtout le Luminova ne vieillira pas, restera toujours autant lumineux puisque c'est un Luminova qui ne s'use pas. On retrouve le Besançon France à 6h et la signature Maison Morphin sur l'Oreo avec le MAISON MORFIN sur l'Oreo qui compose la signature secrète de la marque. On est sur le nouveau bracelet Alto Maison Morphin avec un très beau confort, des micro-maillons, des demi-lunes sur le côté, un maillon central assez épais et on retrouve ici le nouveau fermoir qui est sablé. Donc on a un mélange de finitions entre poli, satiné et sablé et on a une boucle déployante ici qu'on va déployer qui est décorée et polie. On n'est pas sur un revêtement PVD, on est allé justement travailler les finitions à ce niveau-là qui permettra d'accueillir juste ici la gravure personnalisée qu'on a en option et on est sur une boucle qui est en acier 304L. On est venu brosser de manière verticale le côté du boîtier, donc on a de somptueuses finitions à ce niveau-là, des somptueux reflets. On travaille avec un grain très précis qu'on essaie de garder sur toutes les collections et on a justement des beaux reflets avec un protège-couronne qui vient justement nuancer tout ça et créer des ombres et des accroches de lumière un petit peu différentes. On a un dessus de protège-couronne qui est poli et on a une couronne vissée, logotée. Là actuellement, ce que vous voyez en bleu, c'est les protections plastiques
Voilà en termes de dimension, ce qui doit vous intéresser, on est sur 41 mm de diamètre et on est sur 10 mm d'épaisseur. On a un mouvement suisse STP 121, un mouvement Swiss made de la manufacture Swiss Technology Production, qui est donc situé sur Glovelier en Suisse. Une édition limitée à 60 exemplaires et un assemblage minutieux effectué à Besançon en France. On a des cornes très sympas avec un gros chanfrein poli qui vient donc se poursuivre sur le haut de la protège couronne. Et on a 100 mètres d'étanchéité, ce qui permet de pouvoir la nettoyer sans crainte. Donc on est sur un somptueux modèle. On a conservé la lunette de sa petite sœur que j'ai aujourd'hui au poignet, la 2404, qui était une lunette qui était facettée parce qu'elle fonctionnait bien et elle fonctionnait très bien avec ce type de bracelet. Au niveau du case back, j'en ai pas parlé, mais on est sur un case back saphir. Voilà, donc on peut admirer la masse oscillante de ce beau mouvement suisse STP 121. Au niveau du case back, on peut admirer le rotor du mouvement STP 121 qui est décoré avec la finition Côte de Genève. On est sur un dépôt d'acide à l'arrière de la montre qui permet de créer ces compartiments qui viennent reprendre et indiquer toutes les inscriptions au dos de la montre. C'est un procédé de fabrication un peu plus haut de gamme que les simples gravures laser. Et on retrouve le numéro exact. Ici, on est sur la 03 sur 60. Et on va passer à présent sur ces variantes de couleurs qui est le vert et le bleu, à savoir qu'elles sont disponibles également en version cuir. On retrouve ici donc les deux variantes avec le vert émeraude, toujours avec la même texture, le chanfrein qui délimite la texture clou de Paris et le brossage circulaire. Et ici, la version bleu lavande qui tire un tout petit peu vers le violet et qui va justement avoir de somptueux reflets en fonction de la lumière, de l'accroche, de si on est en intérieur et en extérieur. C'est vraiment sympa, on les redécouvre en lumière naturelle. Voilà, on ne va pas repartir sur une présentation globale. Vous la connaissez, elles sont toutes numérotées et elles sont également disponibles en bracelet en cuir de veau embossé. Et je vais vous les montrer de suite. On retrouve ici les trois bracelets cuir qui peuvent être équipés sur ces montres. Donc on a le vert ici avec une belle boucle Ardillon. On retrouve le bleu qui justement va parfaitement avec le côté lavande du cadran. Sachant que voilà, c'est du cuir de veau mais qui est embossé crocodile. Et on a ici le bordeaux qui va très bien avec la rouge agate. Et c'est des bracelets italiens, donc Fato Amano qui est floqué à l'arrière. Puisque c'est des bracelets qui sont donc faits à la main. À côté de Venise en Italie, donc c'est du cuir italien. Et on a justement de somptueux reflets. Je vous mettrai quelques plans de coupe, je pense, de ces bracelets déjà équipés sur les montres. On est en rupture de la couleur verte pour le moment. Mais pas d'inquiétude, d'ici 10 à 15 jours, on aura des nouveaux bracelets pour justement la version verte qu'on a juste ici. Seulement, ça ne sera pas des versions veau, ça sera des versions crocodile véritables, temporairement jusqu'à avoir un réassort de notre fournisseur italien. Donc voilà, ceux qui veulent prendre une verte bracelet vert, sachez que les prochaines commandes, vous n'aurez pas un bracelet veau, mais un bracelet crocodile qui est normalement vendu à 219 € contre 75 € pour un bracelet en veau. Donc voilà, les 5 prochains euros bénéficiaires de cette 2406 verte auront de très beaux bracelets. Et c'est du cuir pleine fleur, donc du cuir qu'on vient raboter jusqu'à sa dernière couche qui est la plus résistante au niveau du cuir intérieur. Et c'est surpiqué à la main. C'est un très beau bracelet. On finit l'unboxing avec la trappe ici qu'on peut retirer. Et on va retrouver trois choses. Le chiffon de nettoyage maison Morphin qu'on a fait un petit peu grandir. On est sur 12 par 12 en termes de centimètres. La notice d'utilisation avec un beau papier mat et un beau grammage aussi qui reprend nos indications, le mouvement, les matériaux qu'on utilise et également l'ajustement au niveau de la couronne vissée, etc. Et ici, dans la belle enveloppe Frosted, le certificat officiel Maison Morphin qui est disponible et fourni pour chacune des montres qui sont achetées en ligne et en boutique avec également de belles finitions. On a une finition Frosted au niveau du papier. On a de la feuille un petit peu dorée ici et on reprend le modèle, le numéro de série de la montre choisie, donc de la 2405. La date d'achat, le nom, prénom de l'acheteur, le petit embossage en bas qui est gaufré, Maison Morphin Certified. Voilà, on vient texturer le papier et c'est à peu près tout. On est donc aujourd'hui sur une fin de unboxing et je vous remercie de l'avoir regardé.